Bonsoir. Bonsoir, boss. Comment tu vas? Je vais bien. Tu es traqué de nouvelles. Pourquoi tu n'as pas encore fini? Boss, vu que je travaille sur cette pièce-là, c'est le but pour lequel je n'ai pas encore fini. Toi, à chaque fois qu'elle donne quelque chose à faire, tu tout de quoi à dire. Donc, à mon appareil, puis va chez toi. Je n'ai plus jamais de voyage. La vie ne me faisait aucun cadeau. Tout se compliquait pour moi de jour en jour, jusqu'à ce que je me fasse renvoyer. Je suis Jonas, voilà mon histoire. Hé hey, toi, tu es censé être au travail, non? Si tu savais ce qui m'arrive. Je n'ai même pas envie de le savoir. Mais tu peux expliquer quand même. J'ai perdu mon travail. Tu as dit quoi? Attends. Tu as dit quoi? Attends, attends. Répète-moi ça. Tu as dit quoi? J'ai perdu mon travail. Hey. Attends. On arrive difficilement à manger dans cette maison. Et toi, tu t'en vas perdre ton travail. Mais t'inquiète. De toutes les façons. Cette conversation-là, c'est toi-même tu vas imaginer le reste. Chérie, tu vas où? Chérie, tu vas où? Lâche-moi! Chérie, misérable! Chérie. Rien de bon ne pourra sortir de toi. Suite à la perte de mon boulot, ma femme qui était accro au matériel venait à peine de m'abandonner. Parce que pour elle, tout se résumait autour de l'argent. Hey Jonas! Comment tu vas mon frère? Ça fait 2 jours, hein? Je vais bien. Vous c'est qui? Vous me reconnaissez plus? Mais c'est Navarro, on était au lycée en 2009, dis donc. Navarro? Oui, c'est bien moi, mon frère. Tu as changé, oh! Mais frère, il faut changer, il faut pas rester dans la merde, c'est ça la vie. Mais toi, tu étais le plus intelligent de la classe. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est la volonté de Dieu. La volonté de qui? La volonté de Dieu. Ah, mon frère, il faut comprendre que le monde ne marche plus avec c'est la volonté de Dieu. Restez là, dit seulement, ça va aller, ils vont vous en tirer avec cette phrase. Et en plus, sans c'est que le sable sur le visage. Bon, bref, il faut que j'aille. Voilà quelques pieds pour toi. Voilà. Passe une bonne journée, mon frère. Ça fait maintenant 2 jours que ma femme m'a quitté. Je ne comprenais plus rien. Même trouver un travail était difficile pour moi. La vie n'avait plus de sens pour moi. Lâche-moi, misérable. Rien de bon ne pourra sortir. Ah mon frère, il faut comprendre que le monde ne marche plus avec la volonté de Dieu. Restez là, sûrement ça va aller. Vous en direz avec cette phrase. Et en puissance, c'est qu'elle me sable sur le visage. Bon bref, il faut que j'aille. Voilà quelques billets pour toi. Voilà. Hé, hey, mon pote Jonas. Qu'est-ce que tu fais là? Justement, je venais te voir. C'est vraiment sérieux. Tu as dit c'est sérieux? Sérieusement. Mais ne me dis pas que tu es là pour quelques billets, dis donc. Oh, bon bref, je plaisante. Vas-y, explique. C'est vrai. Je veux encore plus de billets. Tu as dit tu veux plus de billets? Oui. Est-ce que je suis en train de comprendre? C'est ça. Ok, mon frère. Bienvenue parmi les heureux artificiels. Rendez-vous demain à 7h. Ok, demain 7h. Ouais.